N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À l'air épaté que vous ayez réussi à le rejoindre. Lui-même ne sait pas trop quel est cet endroit. Il était juste de passage. L'accident, c'est qu'il est toujours là. Si vous avez pu faire ça, rien ne vous est impossible. Vous semblez avoir de l'énergie et de l'endurance, et toujours chercher à vous élever. Qu'est-ce qui pourrait bien arrêter quelqu'un dans votre genre ? Quelle que soit votre prochaine destination, il espère que vous garderez la force. Vous en aurez besoin pour survivre à toutes les horreurs qui vous attendent. Aimerais savoir ce que vous ferez si vous faites une erreur en essayant d'aller quelque part. Est-ce que vous retournerez sur vos pas pour réessayer? Ou vous continuerez à partir de là où vous atterrirez? Envisage plutôt de rester ici pour toujours. Dit qu'il n'est pas sûr d'être heureux que le monde survive. Ça signifie qu'il est bloqué ici plus longtemps. Se demande pourquoi vous avez essayé de sauver le monde. Au final, quelle différence cela fait? Se demande comment vous faites pour travailler avec les myriades. Leurs lumières ne vous font pas mal aux yeux? Joliment aveuglante, oui. Parlons de choses plus gaies. Il dit que c'est assez rare, mais que parfois, il se retrouve dans une situation inextricable. Et quand ça arrive, il est triste comme une pierre. Il s'est toujours senti insignifiant, comme un caillou face à une montagne. C'est pourquoi il s'est lancé dans l'escalade. Il veut regarder le monde de haut pour une fois. Il a conscience que celui qui ne grimpe pas ne peut pas tomber. Donc, d'une certaine manière, il estime être plus en sécurité ici, en allant nulle part. Suppose qu'il n'est pas assez bon en escalade, du moins pour l'instant. Qu'il reste ou s'en aille, Tigale risque de toute façon la mort. Il ne cessera donc d'essayer jusqu'à ce qu'il parvienne à grimper hors de ce monde à l'agonie. Il pense qu'il lui suffira d'être plus prudent. Et s'il savait par où grimper, ce serait aussi pas mal. Sans vouloir être un caillou dans votre botte, il vous serait reconnaissant si vous pouviez l'aider à trouver un meilleur chemin pour grimper. Vous remercie de ne pas profiter de sa faiblesse. Un jour radieux se lève. Mais non! Tu vas brûler! C'est toi qui vas brûler! C'est méchant, ça! Oh, tu vas pleurer! Tu veux un mouchoir?
vache. Répit, tant enfant. Tigalet dit qu'il a bien plus le moral maintenant qu'il sait par où passer et promet d'essayer les voies que vous avez découvertes. Ça fait trop longtemps que Petit Galet risque sa vie. Il se sentirait mieux si vous pouviez l'aider à rétablir l'équilibre. Il comprend que la ligne entre la vie et la mort s'étiole, mais croit qu'il y a un moyen de surmonter cet obstacle. Il est prêt à franchir la ligne. Il a juste besoin que vous lui disiez où aller. Il vous serait reconnaissant de l'aider à trouver des cordes adaptées. Semble heureux que vous partagiez ses ambitions. En altitude, il a toujours les idées plus claires. Tu y vois plus clair maintenant, pas vrai? Oh, autant de lumière, c'est pas bon pour toi. Ah, tu as juste peur de devenir un tas de cendres balayé par le vent. C'est pas vrai. Bah, enfin, pas tout à fait. Eh ben, tu devrais. Tigalet est là pour le moment. Vous dit à la revoyure. Avancez très doucement. Quelle merveilleuse journée. Tigalet vous sait gré de lui avoir trouvé des refuges plus sûrs pour la suite. Lui aussi veut vous envoyer quelque part. Il a aperçu un nid dans les environs avec quelque chose que vous pourriez vous approprier à l'intérieur. Tigalet dit qu'il est votre obligé, vu tout le temps précieux que vous lui avez consacré. Au fil de ses expéditions, il a trouvé des tas d'endroits inexplorés. Mais il faut forcer l'entrée pour y accéder. Maintenant que vous disposez de l'outil adéquat, vous devriez pouvoir forcer des portes plus résistantes et accéder à de nouveaux endroits. Des ressources du temps jadis. Un jour, il est tombé sur un super glingling, mais il était périmé. La déception. Pense que c'est fantastique que vous ayez trouvé l'arche. Imaginez où vous pouvez aller avec ça. Le monde entier s'offre à vous, et plus encore. Bien sûr, maintenant que le monde se régénère, vous n'avez pas besoin de partir. Mais peut-être le pourrez-vous quand même si vous le voulez. Est époustouflé par vos efforts pour sauver le monde. Quelle détermination!
Ça avance, cette liste de passagers de l'Arche? Cette situation est une opportunité d'aider tes proches. Il reste une place à bord de l'Arche. Si tu veux l'offrir à quelqu'un en gage de reconnaissance. Un choix conscient de laisser les autres signifie qu'ils ne te manqueront pas. Ce qui nous manque ici, c'est quelqu'un qui ait de la compassion. Toi, ta seule passion, c'est toi-même. Le monde irait mieux s'il ne restait que nous pour prendre les décisions. On aurait juste à discuter entre nous. C'est comme ça qu'on obtient les bonnes réponses. Tous ceux ayant un tantinet de jugeote sont d'accord pour dire que tu t'en sors mieux par toi-même. Espérons que l'Arche te transporte jusque là-bas. Pangrache. Comprends pourquoi vous ne voulez pas de lui. Qui le voudrait? Tamanjama. Tigalet est toujours prêt à aider. Pangrache. Vous dit à la revoyure. Mettez-vous en mouvement avant qu'il ne trouve quelque chose à brouter. Cette vidéo vous a plu ? Dans ce cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement, sans oublier la petite cloche des notifications. Avec Jeminju Channel, vous aurez des vidéos de qualité à vous mettre sous la dent. Quant à moi, j'ai hâte de vous retrouver dans une future vidéo. À la prochaine !